Et salut à tous, ici Tars et bienvenue dans cette vidéo de réaction à la présentation du mode Mercenaire. C'est un mode de jeu qui devrait sortir vers le mois d'août et sur lequel les développeurs ont l'air d'avoir énormément travaillé. Alors ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on a un écran d'attente avec les différents mercenaires, les différentes silhouettes des mercenaires qu'on peut reconnaître qui apparaissent là sur le côté de ce chemin. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. Il y a l'air d'avoir des éléments de gameplay un peu comme Slay the Spire, un peu comme Red Shadow Legends peut-être. Il y a un peu le côté collection de mercenaires qu'on devrait voir. Des choix à faire entre les différentes rencontres, des choix à faire entre les différentes runs avec un village qui permettrait d'améliorer nos mercenaires, de gérer notre équipe et tout ça. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et les développeurs, vraiment, ils en parlent énormément. Ça a l'air d'avoir pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour eux. C'est un mode assez innovant. Et ça y est, on arrive au bout du chemin. Après 45 minutes d'attente, 15 secondes. Et donc, on va voir du gameplay. Enfin, pour la première fois, savoir à quoi va ressembler ce mode qui a l'air d'être au moins au niveau de Battleground, peut-être même au-dessus, en tout cas en investissement. Ça a l'air assez fou. C'est très joli en tout cas. Oh, ça c'est le village. Welcome. I'm Ben Lee, Game Director First Stone. And today we'll be taking you on an in-depth exploration of our brand new game mode. Exploration du mode mercenaire. But what's this new setting all around me? Welcome to the Mercenary Village. Bienvenue au village des mercenaires. Ça va être une base centrale. OK. Truly unlike any other mode we've added to Hearthstone before. It offers a persistent world full of choice and progression. OK, c'est tout nouveau comme mode de jeu par rapport à ce qu'on connaît et donc il y aura toujours des choix. OK, on va avoir des surprises, un tour du village, des révélations de certains mercenaires. J'ai trop hâte, j'ai déjà envie d'y jouer, j'ai rien vu, j'ai déjà envie d'y jouer. With our official trailer reveal for Hearthstone. Le trailer. Kazarkas, how long have we plotted and planned? My dear Lady Presta, it's finally our grand opportunity. We'll need some mercs to do our dirty work. Help me if you can, or I'm in trouble. Bring these bounties in and I'll pay double. You'll go from rags to riches in a snap. Oh, get yourself some gear and crap a potion. Glory waits for you and a promotion. You know it. Just be smart and wear your thinking cap. Now, honest labor really can be its own reward. But life is so much sweeter now you have a great sword. Step right up and you can be a mercenary. Wow. Donc ouais, ça a l'air d'être beaucoup sur la montée de niveau des personnages, la progression, l'équipement. Évidemment, les différents personnages bien connus de l'univers de Warcraft. This journey will take you to the far reaches of Azeroth, hunting bounties for increasingly dangerous foes to reap the rewards. And these jobs don't only net you nice coin. The battles along the way level up your mercenaries to unlock abilities and allow you to find upgradable items. Now I'm sure on améliore nos items, nos capacités et nos mercenaires. But first, let's join Valyra in her hunt for Hogger and get familiar with an entirely new system of combat. Nouveau système de combat, c'est parti. Oh, RPG avec roguelike, des mécaniques de roguelike. Attaque et vie.
Et chacun a des capacités. Ok. Il n'y a pas de face. On ne peut pas aller face. On doit détruire les mercenaires adverses. Il n'y a pas de héros. Donc il y a des cooldowns. Ok. Plus le chiffre est bas, plus vite on fera l'action. Enfin, ça se fait dans l'ordre du plus bas au plus petit pour savoir du plus bas au plus haut pour savoir qui agit en premier. Ok. Wow. Alors, rouge, vert, bleu. Tank, ouais, tank, magicien, combattant, quoi. Alors, quelques exemples. Donc, en gros, eux, ils sont lents et ils ont des taunts. Jaraxxus. Attaque. Wow, ça va vite. Il y a tellement de choses. Ok, lui, il peut faire de l'armure. Ok, il gagne de la vie et il a provocation. Ça, c'est les combattants. Donc, Samuro, ok, Voon. Ils ont beaucoup d'attaques, donc ils sont dangereux. Alors, il peut faire 6 points de dégâts à un adversaire et à ses voisins. Il peut faire 8 points de dégâts et recommencer pour chaque dragon. Et il peut invoquer une Wyrm, c'est ça? Oh, il y a une rareté d'ailleurs, c'est une carte épique, on le voit en bas à gauche. Lui, c'est une carte rare. Il peut faire des images miroirs, ok. C'est intéressant parce que des fois, tu vas vouloir faire des... Ok. Okay. Et eux, ils soignent et ils boostent, ils donnent des soins. Enfin, ils soignent et ils boostent les alliés. Donc rang 4 points de vie, rang 12 points de vie. Et vos humains prennent 8 points de dégâts de moins chaque tour. Et c'est une carte légendaire. Il y a différents... Oh, et Blink Fox, il est trop mignon. Donc lui, il est rare. Il peut utiliser les capacités de l'ennemi contre eux. Il y a des synergies d'arcanes, donc ça, c'est seulement s'il y a eu d'autres arcanes lancées pendant ce tour. Ok, un exemple. There's a relationship of strengths and weaknesses to consider when building teams and choosing engagements. Protectors deal double damage to fighters. Fighters deal double damage to casters. Ok, les protecteurs font double dégâts. Oh non, mais il y a un triangle un peu comme dans Fire Emblem là. Seulement en attaque. Donc on va chercher. Ok. Hein, attaquer les faiblesses de l'adversaire. Alors ça. Ah, et du coup, dans le choix de nos rencontres, la carte qu'on va faire, ça peut dépendre de nos mercenaires. Ah, d'ailleurs, on a 6 mercenaires dans la main, mais on n'en utilise que 3. Ok. Treasures you discover in bounties that modify and amplify abilities, and even unique equipment for each mercenary that bolsters their. Ouah, ça a l'air d'être assez complet, hein. Assez stratégique aussi, parce que faut savoir donc quel mercenaire tu mets en jeu, comment tu contres les adversaires, quel mercenaire t'attaque, qui tu fais attaquer en premier, quelle capacité tu choisis à chaque tour. C'est pas mal.
Let's start the tour here at the centerpiece of your mercenary village, where visitors can stop by for a little R&R. During their stay, these campfire guests often have tasks you can pursue. Le feu de camp a des tâches. But the question of who will come to your village and when is mostly up to chance. In game, visitors will appear around your campfire seen here. Clicking on the campfire presents you with the task. Et on peut recruter des gens au feu de camp des mercenaires. Ou on peut avoir des petites quêtes pour recruter des gens. Et on a des équipements. Donc Sylvanas, par exemple, on peut lui donner une épée. Lui, on peut lui donner un bouclier au Tyrion. Et ça va améliorer certaines capacités. Alors, Illidan. Il peut gagner de l'attaque à une de ses capacités. Et lui... en fonction des points forts, des points faibles de ton équipe, tu vas vouloir d'autres choses. Alors, attendez, je veux... Là, vous voyez pas trop. Ok, quand il a les Warglaives, son Outcast est plus fort. Ok. Options present a significant strategic decision. Reincarnation pairs great with this tanking Tauren and may even foil. Ok, bon, il y a différentes capacités, différents niveaux de ces capacités et qui vont améliorer différentes choses. Non, il y a différents équipements qui vont améliorer différentes capacités. Ok. Ah, ça a l'air assez complet la création de ton équipe. Ça a l'air vraiment sympa. Donc, faut bien regarder régulièrement les visiteurs du feu de camp. Cheers, Saseba. You know, sitting around a nighttime campfire before going into battle, it almost reminds me. Waouh, mais le décor, il est incroyable. Ah, of course, Diablo. Today, we're thrilled to announce that Hearthstone will be welcoming and fully embracing a character from a different Blizzard universe. Oh, il y a des personnages de différents univers. Quoi? Attends, les Heroes of the Storm, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Diablo dans Hearthstone? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bientôt, il y aura Tracer en mercenaire. Putain, il a l'air solide. Diablo Mercenary Bundle. Ok, donc on va pouvoir... on peut acheter des mercenaires, en gros, je pense, c'est ça. Il peut aussi être dans le Diamond Diablo pre-purchase bundle. Ok, alors le système monétaire, on va pouvoir acheter des mercenaires, en gros c'est ça. Ouais non, par contre leur déco elle est incroyable. Ah, il a un t-shirt Scolomance. Ok, ça c'est la taverne, c'est la collection des mercenaires. Ok, on peut regarder tous les mercenaires, les équiper. Différents skins, très bien, sympa. Et l'évolution des personnages. Ok, des packs mercenaires donc vont permettre de débloquer des skins et des tâches également. On peut débloquer les skins. Normal, gold et diamant, ok. Oh, King Crush, il est trop mignon. Donc on peut l'évoluer, c'est ça? As you unlock and collect portraits, you'll open up new ways to bring the mercenary characters together.
Maybe you want to have Illidan, Tyrande, and Malfurion all teaming up during simpler times. In addition to customizing cosmetics, you'll come here to upgrade abilities and equipment. On peut améliorer les équipements. On peut améliorer les équipements et les capacités. Au début, t'as que une capacité. Et en montant de niveau tes mercenaires, ils montent t'as des nouvelles capacités. But in the case of Arcane Bolt, you'll be able to ramp up the spell damage you gain more quickly in addition to a boost in raw damage. Upgrading is done through a new in-game resource system called Mercenary Coins. Each character has Il y a des pièces mercenaires. Bounties, PvP, and mercenary packs. Now let's shift On peut les obtenir dans des packs du PvP, dans la boutique évidemment. Une équipe, c'est 6 mercenaires. On peut... Ok, on a 3... Ça, j'allais dire 3 Pokémon. On a 3 mercenaires qui se battent en même temps, et on en a 3 sur le banc. Quand il y en a un qui meurt, ça le remplace. Ok, on va maintenant voir la création d'équipe. Now the fun really starts as we start looking at the bigger picture of maximizing synergies. OK, maximiser les synergies. Ça c'est intéressant, comment construire son équipe. Pour les mettre les jouer de manière complémentaire. Il y a des types de serviteurs. Donc ça c'est des murlocs. Fait 10 points de dégâts et donne 5 de vie à vos murlocs. Vos autres murlocs attaquent également un ennemi, OK? Mange les points de vie de vos murlocs et gagne ses stats. Ok, il y a beaucoup de synergie entre les types de serviteurs. Là, il y a des bêtes et des demi-orques. Ok, tout ça, c'est des synergies bêtes. Donc, par exemple, tu vas peut-être vouloir créer toute une équipe de mercenaires avec que des bêtes. Moi, je vais être OTP murloc. Ouah, faudrait regarder tout en détail, mais ça a l'air trop bien. Il a l'air d'avoir énormément de possibilités. C'est trop envie de jouer, vas-y. Now let's talk about an entirely different way mercenaries can combine their skills to make a successful team. Alors, d'autres manières de combiner les mercenaires. An integral part of Hearthstone, and we're extending that approach to mercenaries in a major way. While the loyalties and motivations of certain characters may clash, combining wielders of a specific magic will unlock incredible Ok, des magies similaires peuvent synergiser. From a traditional fire mage to elementals to a whirlwind of flames. Donc un mage de feu peut avoir des bonnes synergies avec des sortes des élémentaires de feu. D'accord. Ah ouais, là on l'a. Oh, c'était incroyable. Joue 3 Fireball, répète pour chaque capacité de feu que tu as utilisé ce tour. Ah, c'est trop bien. Ah, tu peux construire une team de froid avec Jaina et le Roi Lich. Trop bien. Et fait des dégâts. S'il est gelé, fait 2 fois plus de dégâts. Et là, il a fait encore 2 fois plus de dégâts parce que c'était un magicien contre un défendeur ou je sais pas quoi. Uther, Vélène, Tyrion. Il y a des boucliers divins, tu soignes les alliés, voilà là. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, c'est vraiment trouver les bonnes synergies. Ça va être trop bien. Il doit y avoir des combos de ouf. Et à l'inverse, tu connais bien le jeu, tu vas vouloir contrer les combos de l'adversaire en focusant un des mercenaires en premier, par exemple. Oh, c'est stylé. Il y a l'air d'avoir trop de choses en fait. S'il y a 40 mercenaires là, ils ont tous 3 capacités, des millions d'équipements. On va mettre tellement de temps avant de trouver les meilleurs trucs. Tellement d'optimisation possible. De monter de niveau. Un autre exemple. Ok, combo, piège. Ok, piège explose, ça on connaît.
c'était quoi? C'était s'il est attaqué en premier, la première fois qu'il est attaqué, fait 12 de dégâts à tous les adversaires, ok. Remember that a team has 6 mercenaries, so combining 2 to 3 of these themes amongst your roster is a pretty good idea. All right, that wraps up this stop of the tour. I'm sticking around at the tavern. Where are you taking these fine viewers next, Hasiba? We're actually headed towards the portal. Ok, on va aller voir le portail maintenant. Donc là, t'as le feu de camp pour faire des quêtes, le portail. Donc, voyage. But as you upgrade the village, the technology and capability of the travel point increases. Let's head into the game to learn a little bit more about... Wait, is that Sarge? Un rat! Sarge, what are you doing? You're supposed to be in the tavern! Ah, mais c'est la petite souris de Hearthstone! What do you mean there's not enough cheese? There's so much cheese in there! Okay, fine. If you have to go, then pick me up a block of Darnassian Blood, please. And be careful, it's dangerous out there. We're very excited to announce that Sarge will be available as a new World of Warcraft mount when the game mode launches. Nouvelle monture pour WoW. Start your first bounty to automatically unlock Sarge on your WoW. Il suffit de récupérer la première quête. Bounty. As a PvE mission. There are several. OK, les bounties, on les récupère, les primes c'est avec les missions PvE. Il y a différents environnements. Let's dive in and head to Fellwood. Here we have the available bounties. Le bois maudit. To help you decide on the right job. The target of a bounty will be the final boss of that run. Et on voit donc là la cible, c'est le boss final. I think we'll take on Raven the Hunter's bounty for some good old Firbolg fighting. Remembering that our target. On choisit ensuite, donc on choisit qui on veut affronter comme boss. On choisit notre équipe de mercenaires. Et ensuite, on a la map. Ça, ça m'intéresse de ouf. Donc ça, c'est aléatoire et on peut choisir d'aller à gauche ou à droite selon ce qu'on veut affronter ou si on veut voir un marchand. Ça, j'adore ça. Trop, trop bien. Ok, eux, ils sont un peu nuls. Are made up of enemies that should be manageable, given your team is on par with that bounty's power level. Keep your guard up, though, as losing members on your team will restrict your options in the long run. Here, si on perd des soldats, c'est définitif pour la fin, jusqu'à la fin de la run. Always take a moment to scope out their moves and strategize a game plan. Now, the exciting part. Encounter victories reward experience to all members of your party. On top of that, one mercenary in your party will be rewarded with a discovered treasure. OK, à chaque fois qu'on tue un adversaire, tous les mercenaires gagnent de l'XP et montent de niveau et en plus on a un équipement gagné. Oh, et à gauche, on a des améliorations d'équipement qui sont pas permanentes, je crois. All damage on that mercenary will be fully recovered before the next encounter. Tous les dégâts sont soignés entre chaque rencontre. Mais je crois que s'il y en a un qui meurt, il n'est pas conservé par contre. Super trésor. Plus 50 points de vie. Ça, c'est... Ok, on peut raise un mec, mais du coup on n'a pas de récompense, j'imagine. This can be a beautiful discovery that saves your bounty run. Beyond encounters and spirit healers, keep an eye out for the many other curveball points of interest that fill the roads to bounty bosses. Take the mysterious stranger. We're choosing to engage can reveal a helpful ally, confounding adversary, or a neutral surprise. OK, il y a des trucs un peu surprises où on peut avoir des alliés, des adversaires ou des surprises. OK, OK. For the rest of the bounty, including enemies. Alas, ok, on a des améliorations qui vont booster tous certains rôles, tous les fighters par exemple. Et donc là, le but, en gros, c'est d'améliorer au maximum, faire la meilleure équipe pour battre le boss à la fin. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que du début à la fin de la run, le but, ça va être de trouver la meilleure équipe pour battre le boss. Donc améliorer les bons personnages et tout. Si on arrive au bout, on gagne plein de trucs. Et si on perd, on gagne juste, on gagne rien, sauf l'expérience. Okay.
On peut refaire les mêmes bounty pour aller chercher certains équipements. Il y a des... Oh, il y a un mode héroïque. Get your team well into the 20 to 25 level range. So what comes next? Once you upgrade the travel point in your village from a horse to a flight point, sorry horse. On peut améliorer le portail. Donc au début c'est à cheval, après c'est en griffon. Ça monte le niveau des ennemis. Et ça augmente la taille des maps. Et pourquoi il y a un portail? Et donc, le portail, c'est le tier 3 de l'amélioration du voyage. Et il va y avoir des difficultés légendaires plus tard dans une prochaine mise à jour. Donc ça, c'est seulement une partie du contenu qu'il y aura sur le mode mercenaire. Et il y aura toujours des nouveaux mercenaires, des nouveaux parcours. Et donc, on va regarder les bounty. Non, on va parler des équipements maintenant. In the essence of civility, we like to keep all the drama contained here in the fighting pit. This function fighting pit. Access point to battling other players. Oh, c'est ici qu'on fait du PVP. Ok, donc le portail, c'était le PVE, et là, il y aura plein de PVP. So you've bested a few bounties, and now your party is ready to challenge other players. Les bounty, c'est le PVE. Fighting pit, PVP. Joe Killian, here to show you the ropes of PVP and mercenaries. Comment ça marche, le PVP? On peut choisir son équipe de 6. On amène une équipe de 6 et on se tape dessus. Facile. Et oh, il y a une cote. Ah, et on conserve les niveaux. Ah ouais, donc genre si t'es à un niveau de ouf, tu vas défoncer tout le monde. Alors, on sera toujours contre des gens à peu près du même niveau, mais il y a quand même du gameplay asymétrique. In PvP, your team will face a mixed bag of opponents with varying roles and synergies. You may find yourself up against a protector heavy orc team, or thrown into a fiery foray of elementals and casters. I like to bring beasts and nature casters, so I have good coverage of all the roles and some powerful synergies. If you want to come out swinging with all fighters, that choice is yours. Players will earn daily rewards just for participating in PvP. Ok, on a des récompenses juste pour faire du PVP de temps en temps. Plus on monte, plus on a de bonnes récompenses. Et ça donne que des récompenses utilisables dans le mode mercenaire. Ça a l'air d'être bien séparé des autres modes de jeu. Ah, moi je suis plus PVE que PVP, mais si ça se trouve le PVE, je sais pas s'il y a de l'héroïque. Oh, moi je vais être full PVE, je pense. Welcome back everyone. One of my favorite aspects in PVP and mercenaries is that you can't see your opponent's command phase actions, which often obscures combat ability. Ah oui. Ce qui est sympa, c'est qu'en PVP, on peut pas savoir ce que l'adversaire va nous faire, c'est simultané. Alors qu'en PvE, on est au courant, c'est ça? On sait ce que l'adversaire va faire pour choisir ce que nous on fait? Oh, la boutique! Les packs mercenaires! Comme Hearthstone, comme les packs Hearthstone. Des pièces. Des skins. Ok. On a une boîte aux lettres pour discuter avec les gens.
chorus will also be sending updates on new content, patch changes, and other fun stuff. Ok, je pourrais pas avoir les infos sur les derniers mises à jour et tout. Donc la boutique, on peut avoir des packs. Les packs, ça peut nous donner des pièces qui sont en quelque sorte les poussières pour améliorer nos cartes et nos équipements, des skins et des mercenaires. Keep it up, Joe. Thanks, Asiba. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, c'est le camp d'entraînement. Let me show you the last stop on our tour, where I'll swap out swords and shields for blueprints. This workshop here is where all the constructing and upgrading happens. C'est là qu'on fait les constructions, les améliorations, d'accord? Donc améliorer le village, je pense. You'll basically have an open plot of land as your empty canvas. And it's up to you to decide what you want to build and upgrade. Et on choisit ce qu'on améliore dans le village. Everything is done with gold and only gold. Tout se fait avec des pièces d'or. For example, the fighting pit gives you access to PvP. From there, some structures can be upgraded for added benefits and bonuses. Upgrading the campfire, for instance, opens up more spots for visitors to come give you tasks. OK, donc si on améliore le feu de camp, on aura plus de tâches, plus de quêtes. Well, I don't know about you two, but after all that constructing, it feels good to be back. Ils ont déjà mal au. La prod est incroyable. And supposedly arcane infusion tastes like blueberries. Oh wow. Anyways, hey everyone at home, along with what Joe talked through, we have plenty more exciting additions planned for the village, and you'll see those arrive in a future update. Il y aura des améliorations, OK, il y aura des mises à jour plus tard. And with that, I think we'll call this tour a wrap. Ben? Indeed, you both rocked it. Thank you so much to all of you who came along. Oh là là. Mercenaries is all about. Franchement, c'est cool hein tout. Le village, les améliorations, il doit y avoir tellement de techniques possibles. Conquering all the heroic bounties, ascending the PvP leaderboards, or collecting a legendary roster of renowned heroes and villains. Il y a différents trucs qu'on peut faire, collectionner un petit peu les mercenaires, avoir le classement PVP le plus élevé, en PVE faire un maximum de bounty, donc affronter un maximum d'ennemis de chemins différents et tout. Il y a plein de manières de jouer, hein. Moi je serai plus PVE, peut-être que Liège sera plus PVP, ça peut peut-être changer selon les gens. Peut-être que moi finalement le PVP ça va me plaire, moi je suis pas trop collectionneur. Bon, en tout cas c'est vraiment cool hein. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu de réaction, de présentation, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que vous pensez de ce mode de jeu? Moi ça me plaît de ouf, hein. J'aime bien, j'ai trop hâte d'y jouer. Il y a l'air d'avoir énormément à la fois de skills, hein, on va dire basiques pour les combats, de petites techniques à apprendre, un peu comme ce qu'on a sur Battleground. Mais là en plus il va y avoir beaucoup d'optimisation au niveau de l'équipement, d'idées possibles, de gameplay différents. On peut aussi essayer de se faire une équipe avec des trucs vraiment jamais joués, moi je vais adorer ça, hein. Si ça se trouve prendre des murlocs alors que ça va être nul. Tester des nouvelles synergies, il y a l'air d'avoir plein de mécaniques. Donc il me semble que ça a été dit que ça sortirait vers le mois d'octobre. Mais je ne sais pas si c'était une info officielle ou pas. En tout cas, c'était fort sympathique. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je vais aller faire du Battleground, puisqu'il y a la petite mise à jour qui va sortir. Ciao tout le monde !